Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison? Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et depuis qu'est tout droit. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et depuis qu'est tout droit. Si tu reviens par là, tu verras la rivière, car j'ai refait en pierre le petit pont de bois. Et je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Et je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière un, deux, trois. Son vieil air d'autrefois. Elle suit depuis ce temps son cours imaginaire, car il ne peut plus guère qu'une ou deux fois par an. Et dans ce coin de terre, un petit pont bizarre enjambe un nénuphar. Un, deux, trois. Au milieu des fougères. Et dans ce coin de terre, un petit pont bizarre enjambe un nénuphar. Un, deux, trois. Ben voilà, je vais bousiller 14 rangs de carottes, mais au moins il n'y aura plus de taupe. Ah, a commencé à m'emmerder les bigleuses, là. Je le savais que ça me resservirait leurs explosifs au bocher. Ça faisait péter des ponts en 40, ça peut bien casser la gueule à une taupe quand même. Hein? La maladie d'amour dans le cœur des enfants de cette... Ça va, petit Maria? Oui, ça va pas mal, oui! Eh ben, c'est bien! Eh ben, je crois que je vais pas rester bien longtemps, hein, parce que j'ai bien l'impression que le temps tourne à l'orage par là, hein! Ah bon, où ça? Ben, par là! As-tu entendu comment que ça vient de tonner? Ah oui, dans le coin, là-bas! Ah, ben, oui! Ah ben, un petit peu d'eau, ça ferait pas de mal à mes carottes, tu vois! Ah, ça, c'est sûr, allez, tiens! Merci! Je te paye un coup quand même? Je veux bien, tiens! Allez! Ah, qu'est-ce que ça? Eh, va être belle là-dedans, la mariée! Hein? Oh, t'as raison, faut que je cache ça avant que l'autre arrive! Eh ben, mon vieux! Oui. T'as vu ça, mon petit Jean-René? J'ai vu ça! T'as vu l'engin? Oui! Eh ben, tu me crois si tu veux, elle rentre pas dedans, mon vieux. Attends. Je te le signe. J'ai fait essayer tout à l'heure, il y a la moitié des coutures complétées. Ben, tu te rends compte? C'est plus qu'à tout recommencer. Tu parles d'une mariée, mon vieux. Oh, c'est pas une jarretière qu'il va falloir scinder qu'à mettre, mon vieux. Ah bah écoute, hein. Maria, hein? Une cantinière, faut pas que ça coûte les plats. C'est vrai, Marc.